ressent qu'aujourd'hui ça va être particulier? Lève la main. Non, toi tu peux pas. Ici, ici devant, non. Ici derrière. Qui ressent vraiment dans l'esprit que ça va être particulier? Vous savez, j'étais où j'étais? J'étais dans la voiture ce matin, j'allais dans une église. Et le Seigneur me disait, prépare-toi ce soir, ça va être particulier. J'ai dit, waouh, on est habitué aux grâces du Seigneur, n'est-ce pas? Mais tout dépend aussi de vous. Où là, deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, ma présence, il est là. Est-ce que vous croyez cela? Où là, deux ou trois pensent en moi. Pense au nom de Jésus. Ma présence, elle est là. Sentez-vous libre d'adorer le Seigneur. Sentez-vous libre d'ouvrir votre bouche et lui donner la gloire qui lui appartient. Nous sommes devant le Seigneur, n'est-ce pas? Et je m'attends aujourd'hui des délivrances. Je m'attends aujourd'hui des guérisons. Amen. 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 Je m'attends aujourd'hui que les dépressions tombent. Je m'attends que la maladie soit guérie. Je m'attends que la tristesse part par cette porte-là, par la porte de ton cœur. Je m'attends la pluie de Jésus. Alléluia. Pendant la louange, si vous recevez des choses, des visions, des témoignages, des choses fortes, n'hésite pas à les partager. Est-ce qu'on peut se lever pour aller adorer le Seigneur? Alléluia. Je veux vraiment les flammes. Je veux vraiment la flamme du Saint-Esprit allumée. Alléluia. Je veux vraiment les cœurs qui explosent. Les cœurs qui donnent la gloire à Jésus malgré nos souffrances, malgré nos difficultés. Je dis, Seigneur, me voici devant toi, Jésus. Et cet après-midi, je veux laisser tout à tes pieds. Je veux laisser ma souffrance à tes pieds, alléluia. Je veux laisser mes douleurs, mes pensées, Seigneur. Mes tracas, mes soucis à tes pieds, Seigneur Jésus. Et je veux t'adorer en toute liberté, alléluia. Proclame-le avec moi. Seigneur, je veux te louer en toute liberté, Seigneur Jésus, alléluia. Oh, lève tes mains, Seigneur, alléluia. Tu dis, Seigneur, je veux te louer malgré mes difficultés, Seigneur, alléluia. Je veux faire face à mes problèmes. Je veux proclamer que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, alléluia. Je veux proclamer la liberté dans ma vie, alléluia. Jesus, alléluia. Oh, la 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 la, chérie, bébé, va, 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 c'est, la la la.
Chanter.
point de repère. Au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Quand tu pars. Quand tu pars, mais sans milliards.
Thank you.
chanter ce passage du chant comme une proclamation prophétique sur notre pays, sur Soigny, sur la Wallonie, sur le Hainaut, sur la Belgique, sur l'Europe. Il y a un mouvement qui s'appelle « Europe shall be saved ». Ça veut dire que l'Europe doit être sauvée et l'Europe va être sauvée. Nous allons chanter ensemble ces paroles et les proclamer sur notre pays, sur notre génération, sur notre continent.
ce chant comme un chant prophétique sur leur propre vie, afin que la lumière se fasse dans leur vie, que l'Esprit de Dieu chasse les ténèbres. Je ressens ça très très fort là, juste en commençant ce chant. Prenez ces paroles comme un chant de l'Esprit sur votre cœur, et que la lumière soit. Yeah.
Seigneur, nous t'invitons à venir régner dans nos cœurs maintenant. Les Écritures nous disent que ta lumière chasse toute obscurité. Nous voulons nous tenir dans ta présence maintenant. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. J'ai le fort sentiment qu'il y a quelqu'un ici ou quelqu'un qui nous regarde en différé. Cette semaine, tu t'es mis tout seul dans ta chambre et un jour, tu as dit à Dieu, « Ok, je te mets au défi. » Moi, ça, je ne suis pas trop chaud pour tout ça, mais « Ok, si tu existes, montre-moi que tu existes. » Ben, c'est maintenant. Si tu as fait cette demande à Dieu, attends-toi à vivre maintenant quelque chose de spécial. Merci Jésus parce que tu vois ces cœurs qui ont demandé, ces cœurs qui ont demandé des preuves de ton existence. Merci parce que je proclame maintenant que le feu descend, ton feu descend. Et c'est quelque chose de palpable, de la tête jusqu'aux pieds. Le feu maintenant sur ta vie. Merci Jésus. Abandonnons la terre, nos louanges montent aux cieux, vers ton regard tendre Père, Dieu Saint, tu es le Dieu Saint. Oh.
Louez Dieu simplement, louez Dieu avec moi, vous. Louez-le avec les mots qui montent à votre cœur. Peu importe les paroles, peu importe, faites pas attention à la personne qui est à côté de vous. Louez Dieu avec les paroles qui viennent. Alors que la musique continue un moment, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Ramamama Yeso. Quelqu'un ici ou qui nous regarde, tu as le cancer du côlon. Maintenant, Jésus te guérit. Je proclame la guérison de ce cancer du côlon maintenant dans le nom de Jésus. Et cette guérison sera attestée par des médecins. Est-ce que quelqu'un a mal à l'épaule? Non? Ok. Si c'est quelqu'un qui nous regarde, maintenant je chasse toute douleur dans l'épaule. Tout se ressoude comme il faut. Est-ce que quelqu'un veut bien les prier? Merci Steve. Merci Jésus pour la guérison que tu opères maintenant. Que quelqu'un a mal à la hanche. Ok. Débo, tu veux bien? Merci Jésus. Alléluia dans ta gloire, Jésus, miracle dans ta gloire. Seigneur, nous voulons simplement laisser la gloire agir. Ici ou qui nous regarde, elle essaie de tomber enceinte depuis des années. Prends cette promesse car elle est pour toi. Tu porteras un enfant, tu accoucheras de cet enfant et cet enfant sera le signe pour toi des miracles de Dieu dans ta vie. Merci Jésus parce que je bénis cette ou ces femmes. Yes,
simplement de la part de Dieu. Recevez. Il n'y a rien à remériter, il n'y a pas de trophée à venir à donner à Dieu. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à donner. Il y a tout à recevoir. Le recevez maintenant, recevez sa présence et la recevez. Thank you.